Nous contournons largement une impressionnante vipère à maudite qui paraît sur sa défensive. Nous dérangeons une tortue grecque, occupée à la pâture, ne semblant pas trop apprécier notre présence. Nous passons devant un lézard vert juvénile, puis retournons sur nos pas pour retrouver notre si fascinante vipère. Et c'est bien plus tard que nous apprendrons qu'il s'agit là du serpent le plus venimeux d'Europe. Nous prendrons bien soin de nous tenir à bonne distance pendant que notre ami herpétologue en testera l'agressivité. Nous quittons l'endroit pour une rassurante petite forêt traversée par les eaux vives d'un ruisseau, au décor rocailleux. Assise sur un caillou moussu, une jolie petite grenouille grecque semble nous y attendre. Elle nous fait penser à la grenouille agile de nos forêts rhénanes. Lovée dans une flaque d'eau au soleil, pas très loin de notre grenouille, une couleuvre tesselée à l'affût en ferait bien son dessert. Aquatique, cette couleuvre très répandue dans les Balkans, tout en fréquentant les eaux stagnantes, affectionne tout particulièrement les eaux vives. La couleuvre d'Esculape, elle, est terrestre, mais grimpe avec agilité dans les arbres. Elle est affublée du nom d'Asclépios chez les Grecs ou Esculape chez les Romains, qui fut le héros guérisseur, puis dieu de la santé. Ce serpent figure en couple entrelacé autour d'une baguette sur le caducé de notre corps médical et seul, dressé au-dessus de la coupe de la santé, il est aussi le symbole des pharmaciens. Serpent constrictor, cette couleuvre se nourrit de rongeurs lézards, d'oiseaux et de chauves-souris. Notre grenouille grecque, ici dans sa livrée sombre, n'aurait donc, en principe du moins, rien à en craindre. Cette intéressante visite se finira sous une petite pluie qui s'avérera relativement brève. Demain matin, nous partirons dans les marais à la recherche de la rainette.